En 20 minutes, la barrière est installée et la piscine parfaitement sécurisée. Un enfant de moins de 5 ans ne peut pas décrocher ce système de sécurité. Il ne peut pas accéder non plus au bassin par le dessous de la barrière. Et il ne peut pas grimper non plus sur le filet. Comme étant donné que c'est un système souple, il n'a pas de moyen de traction pour passer par-dessus le filet. Quoi. Et donc là, ici, effectivement, c'est bien verrouillé. On peut pas le propriétaire avait déjà installé une alarme. Mais en devenant grand-père, il a voulu s'équiper. Coût de ce type d'installation, entre 1 000 et 2 000 euros. On a un petit enfant qui a un an déjà maintenant. Et du coup, on voulait avoir une sécurité complète, c'est-à-dire être tranquille, la piscine est tout près de la maison. Et donc, on voulait pouvoir ne pas se poser de questions. Une fois qu'on a la sécurité, on est tranquille, il ne peut jamais accéder à la piscine. Un petit désagrément visuel sans conséquence, car cette barrière peut s'enlever en quelques minutes. Autre exemple, plus sophistiqué, le volet roulant. Ici, il est discrètement rangé à l'intérieur de la piscine et se commande à distance, un gage de tranquillité pour cette mère de 4 enfants. Dès qu'il y a des enfants qui jouent dehors, on ferme la piscine. Comme ça, ben, on est tranquille. S'il y en a un qui tombe sur le volet, on sait qu'il ne va pas tomber dans l'eau. Voilà. Et c'est déjà arrivé hein, avec des vélos. Ils sont tombés dessus et il ne s'est rien passé. Quoi. Démonstration, même en marchant dessus, impossible de casser le volet roulant ou de se noyer. Prix de cet équipement, de 4 000 à 20 000 euros, suivant les modèles. La vie, elle vaut bien plus que le coût d'un volet. Donc c'est un excellent investissement. Et puis pour la tranquillité des parents, c'est quand même essentiel. Hein. Voilà, parce qu'on le sait très bien, un enfant, il se noie en quelques minutes, en silence. Et avec ce système-là, vous n'êtes pas obligé de le surveiller en permanence. Conscient des risques de noyade, les particuliers s'équipent de plus en plus. Depuis la loi de 2004, la sécurité est obligatoire et fait désormais partie du budget dès la construction de la piscine.